Salut à tous les potos, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2013 pour l'épisode numéro 3 en silage. Donc je suis en solo, mais je suis en Skype en compagnie de Manon. Salut à toi. Bonjour. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Ça va, et toi? Nickel, nickel, ça va. Donc, pour cet épisode numéro 3, on est parti pour faire un ensilage avec la Jaguar 980. Puis moi, je vais conduire le John Deere 7310R avec la Josquin 3 essieux. On est parti, on retire le frein à main. Hop, bon, allez, on est parti. Hop, on va mettre un peu le régulateur de vitesse. Enclenche-toi, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas tourné d'épisode sur FS13. Parce que justement, j'avais d'autres choses de prévues. Et là que je suis reparti sur FS13, les vidéos, ça va y aller, hein. Par contre, je vais augmenter le son 2 secondes. Hop. Parce que là, on n'entend rien du tout. Hop. Voilà, impeccable. J'espère que le son là, il sera pas trop. Bon, il ne devrait pas être trop fort. Petit épisode FS13, ça fait du bien. L'ensilage, j'en ai jamais fait sur FS13 parce que j'ai fait que deux épisodes. J'ai fait un épisode de moisson et puis là j'ai fait un épisode chargement d'engrais. Ça vous avait bien plu. J'espère qu'un épisode moi. Ah oui. Putain, lui il a pas le temps de niaiser l'ouvrier. Putain, il s'arrête même pas, il fait demi-tour comme ça. Bon, bref. Normalement, un épisode ensilage, ça devrait vous plaire. En soirée. Allez, demi-tour. En fait, toi, bon, tu joues, bah moi je révise Ah ouais, tu révises quoi? les maths. Ah, contrôle en maths. Écoute, moi je viens de faire le J'en ai rapport. pas. Alors, je viens de faire rapport de stage, j'ai passé un CCF d'anglais cet après-midi. Moi j'ai failli me faire virer de cours. Ah bon? Enfin, puis en fait, premier cours, on avait contrôle, on a tous triché. Ah On bah était en train de dire ouais là. c'est du propre tout ça. Bon, en même temps, c'est facile, hein. Après, deuxième cours, on n'arrêtait pas de parler, lancer des bouts de gomme et tout. Du coup, Ouais. il m'a dit, Manon, si tu continues, direction de dire l'eau. Bien sûr, moi, j'ai continué. Donc, j'ai été voir Dirlo. Dirlo, il m'a dit, tu retournes en cours et si tu reviens dans mon bureau, bah, t'auras une colle de 2 heures. Donc là, Ouais. bon, j'ai encore parlé, mais voilà quoi. T'es calmé. Après, Putain, il prend. Ouais. on a eu perm. Bon, là, j'ai fait mes devoirs, comme ça, fraîche tranquille. Il me reste juste de l'SVT à faire. Je t'expliquerai après, après la vidéo. Ouais. Après, cet après-midi, on devait avoir danse, mais vu qu'on était que 16, eh ben, on a fait une balle aux prisonniers. Ouais, tranquille. Ouais. Après un atelier, j'étais encore en anglais. Et genre, j'avais ma table, elle était mais éclatée. Je la bougeais encore un tout petit peu, c'est bon, elle était cassée. Le poteau, il partait par terre. Oh là 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 là. Et évidemment, vu que je savais que ça tombait par terre, Ouais. et ben, j'ai bougé la table et du coup, le poteau, il tombait par terre. Et elle me fait, ouais, Manon, si tu continues, je te prends ton carnet. Et après, il y avait un pote à moi, il était en train de jouer avec de la colle. Il arrêtait pas d'en lancer partout dans la classe. Et à un moment, t'en avais un qui était en train de se balancer contre le mur. Et il s'est cassé la gueule. Non, non, il lance en arrière comme ça sans regarder. Le truc était à 2 cm de la tête du mec. On était morts de rire Ah vu bah. comment il avait fait. Et le mec il bougeait pas. On était morts de rire. Et là il me fait, Manon, Paul et je sais plus qui là, vous m'apportez votre carnet. Oh putain. Et à la fin il fait, si vous continuez à me faire vos conneries, je vous mets une observe. Moi, je vais éviter d'avoir une observe, sinon c'est un deuxième conseil de discipline et je n'ai pas très envie. Oh là là, maintenant qu'il travaille pas. Hein.
Et du coup, voilà. Et après, en deuxième partie d'atelier, donc c'était maths, on a été sur un site là, et on devait faire une chaise, mais j'ai jamais fini ma chaise. Et demain, on va se faire. Demain, je commence par perm, après, je vais me faire. Après, on va se faire arracher. Après, on a perm. Ah non, on a maths. Oh bah la vue est belle. Après, on a français et après, on a espagnol. Et espagnol, je suis toujours pas passée. Ouais. C'est qu'au dernier projet, enfin avant celui-là, elle m'avait oublié. Ah bon? Bah, un peu plus, je l'ai passé pas. J'étais peinard. Maintenant, t'es contente. Oh, bah attends. Donc voilà les amis, nous on travaille là, puis Manon travaille pas. Non, on est en plein perdance. Là, j'aurais besoin d'une deuxième benne, hein, mais. Moi je suis en RTT, hein, et oh. Peut-être des vacances prolongées, c'est ça? Voilà. T'as tout compris. Par contre, mon gendarme, il est Oui, lent à mais la merci. réaction. Hop. Alors, recule un peu. Seulement si vous avez pas capté. Supprimer, supprimer. Hop, on a désactivé les quatre roues motrices, on en a plus besoin. On n'en a pas besoin, justement. Hop, allez, c'est parti. Par contre, en plus, on va vider loin, donc de la route à faire. Hop. Ça, je m'en fous. Donc, ce que je voulais dire pour la. Je voulais remercier les 46 abonnés. C'est bien ça. 46 abonnés, ça monte. Je voudrais aussi remercier la communauté de Facebook. On est 97. 97 sur Facebook. Franchement, c'est très sympa. Puis, remercier de regarder les vidéos. Parce que j'ai une moyenne de visionnage qui est quand même assez important. Donc, moi, ça me fait plaisir. Si ça peut vous faire plaisir de. Si je peux vous faire plaisir et que vous me faites plaisir, c'est le principal. Que demander mieux? Donc. Putain de téléphone de babouin. Ben là, ça parle en téléphone de babouin. Donc, les amis, là, j'y peux rien sur ce coup-là. Là, comme vous pouvez voir sur la carte, on fait le champ 31. Donc, je suis pas rendu, hein. Hop. Voilà, c'est quoi le bruit? Hop, on retire ça, on est reparti dans l'autre sens. Oh, la benne, elle va être pleine, on va pouvoir les vider. Putain, là on avance trop vite. On mettra les pleins phares pour la benne. On reviendra dans les vidéos. Parce qu'à mon avis, je sais pas si je pourrais faire de benne. Allez, on est parti. Ouais, il y a du rendement quand même. Parce que j'ai rempli les deux CE de la ferme avec un autre champ. Un deux autres champs. Et là, je suis au BGA. Donc là, je suis plein. Allez, on est parti. On va mettre les gyrophares. Hop. Donc désolé si vous avez l'impression que ça lag. Bah ça lag. Parce que exactement, je suis à 15 FPS. Hein, c'est FS13.
Je te tourne pas énormément. Alors, bon, y a une voiture, on va la laisser passer quand même. Par contre, celle qui arrive, je la laisse pas passer. Hop. Hop, allez, on va, par contre, on va certainement devoir doubler. Du coup, ça fait un peu de vue intérieure. Il n'y a pas de voiture en face, impeccable. On va doubler la première. Il y a 310 chevaux, donc. Par contre, ici, on va pas pouvoir doubler. Bon, les voitures elles avancent pas vite quand même, hein. Là on est qu'à 30. Si je klaxonne, il n'y aura pas de réaction. Donc. Ah, pas d'un peu doublé. Allez, on va doubler pendant le virage, je sais pas. La personne qui arrive en face. Hop, voilà. Impeccable. On a un champ là qu'on ira presser dans le prochain épisode. Hop, allez, on double. En plus, ils sont arrêtés. En fait, on va vider, on va traverser la ville pour arriver de l'autre côté. Hop, et là. Donc, là, il y a du monde. On va pas pouvoir doubler. Allez. Spécial accélérateur. On peut doubler. Ah, ben là, allez. C'est parti. On roule à 50. Pas de problème. On a encore un peu de route. On en est qu'à la moitié là. Donc, puis après, arrivé au BGR, je vous montrerai. J'ai un T7 pour tasser. Une lame et tout. Je suis bien équipé. Donc, y a pas de problème là-dessus. Pas que je roule trop vite parce que la benne elle a tendance à faire du deux roues. Donc. Hop. Après je sais, j'essaie que de faire en sorte que ça lag pas trop, mais après, je peux pas faire autrement. CFS13, si vous avez connu, c'était toujours comme ça. Donc. Ah, Doden. Voilà. On entend bien le vario sur ce tracteur là. Ouais. On sent que c'est du vario. Après on pèsera, vous allez voir les balances sont vraiment très... Comment dire? Très réalistes. Vous allez voir que le tracteur, je suis à presque 40 tonnes. Sachant que la benne elle fait 30... Non, je crois que je suis même plus à combien de tonnes je suis. Là on tourne là. Écoutez le clignotant. Hop. Dès qu'on tourne un peu le volant, il s'éteint. Et là j'ai 48 tonnes. Donc vous allez voir, je fais presque 60 tonnes presque. Avec la masse et le tracteur. Plus le poids de la benne. Ouais, ouais, le BGA il est quand même assez loin pour aller vider. Hein. C'est... le turfin. Hop, et là donc qu'on arrive là, il y a des 80 tonnes. Bon, c'est peut-être pas réaliste 80 tonnes 32, mais bon, vous allez voir que si vous rajoutez 48 tonnes une fois que je serai vidé, c'est le bon poids. Allez, on va
Hop là! Hop là, ça va bon. Merde. À l'avance. Non, je patine. Activer les quatre roues. Bon bah je vais aller remonter un peu le tas. Hop là. Donc, on va monter dans le T7 hein, 280, 260. Allez. Hop. Là. Voilà, ça bug. Hop. Bon. Ça sert pas trop à grand chose là, mais on fait comme on peut, hein. Allez un peu. Sur ce tracteur là, c'est un klaxon de taré. Bon là, le silo il est 40%, il y a 240 000 tonnes. À mon avis, je vais remplir les deux silos du BGO. Je pense que il y a de quoi faire au silo du BGO. Là, j'ai la masse de jeunes d'air aussi, là. Donc les rallonges de masse. Je dois avoir 2 tonnes là, de masse. Pour à peu près. Ah bon, on va carrer derrière, nickel. Je vais refaire un petit aller. Histoire de dire que ça soit à peu près droit. Hop. Allez. Je sais pas ce que vous en pensez de FS13, mais moi je trouve que ça a été le jeu. Mais franchement, l'un des meilleurs jeux que bah FS13, c'est le meilleur farming que je connaisse moi personnellement. Il y a peut-être eu d'autres farming mieux, mais moi personnellement, farming 9 j'ai pas connu, farming 11 c'était pas trop ça encore, hein. Farming 13 c'était là, franchement c'était là. Le meilleur, hein, pas dire autrement. Alors, on va remettre là sur la sélection du tracteur. On l'éteint. Alors, on va remonter dans le jaune d'air. Hop, allez, on est reparti. Vous allez voir, je faisais 80 tonnes au départ. Et là, benne vide. Le tracteur, il pèse 13 tonnes. Donc vous rajoutez à 48, on n'est pas tout à fait, mais bon, ça fait 50, ça fait 60, un peu plus de 70 tonnes. C'est pas encore ça, mais c'était pas mal déjà pour l'époque d'FS13. Hein. Je trouve que pour l'époque d'FS13, c'était... Ah bah la revoilà. Elle a niqué l'oreille, mais c'est pas grave. Je t'ai niqué à l'oreille. Ouais. Ouais, on pensait que t'étais morte. Non, je t'ai pas touché mon chat. Ah ouais. Ah ouais. Okay. Bah là, j'ai des betteraves aussi qui sont en route. Là-bas, il y a l'arracheuse. Je ferai aussi un épisode de betterave hein, plus tard. Alors, épisode 4, ça sera pressage. Épisode 5, bah ça sera des betteraves. Hein? Oui. Faut que je te parle. Ouais, ok. Ouais, Ouais. de toute façon, moi, la vidéo elle va encore durer 5-10 minutes et puis on se laissera là quoi. Parce que tant que je ramène mon tracteur au champ, fasse un ou deux allers-retours, au silage, et puis ça sera bon. Ah, mais les retours. Pas deux, mais un. Bon, on verra combien de pourcents la benne elle sera pleine. C'est qui m'envoie des messages? Alors.
Madrid, bagarre! Putain, ils m'ont mis ça dans la tête, ces enculés, là! Attention, parce que quand je braque trop fort avec le jeune DR, on se retourne. C'est ça l'avantage d'être à la manette, c'est qu'on n'appuie pas sur le clavier, on donne pas des coups. Ou même au volant. J'ai entendu que c'est moi qui t'ai répondu. Ouais, j'ai reçu un message. Ah. Bon, accélération ligne droite en roulant à 47 km/h. 45. Ah là. Non, j'ai pas mis le gyrophare. Hop. Allez. On se fait arrêter par la police sinon. J'ai envie de. Oh Bah. Bon alors, là il y a une voiture, on va devoir la doubler. C'est votre voiture. Oh putain, c'est des malades. À mon avis, maintenant elle est sur Instagram ou Facebook. Non, Messenger. Oula. Là, ça je suis sur Instagram. Toi, n'hésitez pas à me suivre. Hein. Bonjour, je rigole. On mettra le snap à Manon aussi dans la description. Ouais, essaye. Bah, moi, il y aura mon Facebook. Snap, je mets pas mon snap parce que c'est mon snap privé. Donc, voilà quoi. Et par contre, mon Facebook, vous pouvez aller dessus. Et puis ma page YouTube, bien sûr, abonnez-vous. Hein. Puis la page à Manon qui sera dans la description aussi. Non, si tu veux. Ah, bah si. J'ai la team dans la description, donc. Mais vas-y, je suis jalouse de ses yeux là, mais putain! Oh, je vais le frapper. Ah. On va mettre le clignotant. Hop, il s'est désactivé tout seul, vous avez vu. Hop. Bon, vous voyez qu'un aller-retour c'est quand même assez long parce que déjà il est à l'autre bout de la map. C'est pour ça que être en multi, être à 3-4 à la benne, ça peut être pas mal. Hop, allez, on est reparti. Ah, puis après on va attaquer les lignes droites, donc ça, les longues lignes droites, donc là ça va aller. Une ligne, une benne, donc voire plus. Voilà. Alors, après, on va faire le tour là-bas. Et à mon avis, on va remplir la benne, on cessera là, les amis. Parce que j'ai pas mis de compteur, mais ça doit déjà bien faire presque 20 minutes. Donc. Et là, ça fait que 2 minutes. Ah non. Moi, bah, si c'est ça, je fais un live, allez, c'est parti. Si tu veux. Non, je fais pas de live. C'est pas que je peux pas faire de live, mais c'est que j'ai pas la connexion qui va avec. Bon, allez, on passe sur les clôtures, on a rien vu, c'est pas du RP. Hop, allez, on est reparti, c'est parti les amis. Bah, ça avance pas mal. Hop. Tiens, maintenant on a mis de la musique. Ah non, enfin je sais pas. Si, je te le dis. Je l'entends un peu. Ah. Ah, elle mange de la cire. Oh oui. Après je ferai une belle miniature, vous verrez. Pour cet épisode là, il y aura une miniature assez sympa. Mais tellement, et là par contre je suis d'accord. Et par contre je peux pas le dire comme ça parce qu'il y a tout le monde là qui va le regarder. Ah bah. Attends, j'attends que tu termines Sauvegarde-le dans ta tête et puis tu me le diras après. Donc là, on va. Toujours cru qu'en physique chimie on est de ouf avec des bêtes. Mmh. Des mélanges, mais ça en fait on parle des putains de sons. C'est ok, pas compris. Il frotte la peau.
Oh, les cartes, ce savon. Qu'est-ce que tu... Moi, qu'est-ce que tu... Je frotte ce savon sur ma peau et ça ne marche pas. La peau doit être mouillée pour que ça marche. Mais sur l'emballage, il y a marqué peau pour sèche. Ta gueule. Bon là, on va devoir taper dans les sapins à moitié parce que sinon Quand tu l'enseigneuse. parles avec quelqu'un et qu'il dort sans te prévenir, c'est vraiment le plus gros manque de respect. Ben, c'est moi tous les soirs. C'est ça. Comment je te fous des vents. Là, c'est même plus un... Je vais passer derrière la machine parce que là, c'est... Un vent, là. Ah, mais là, c'est plus qu'un vent, là, c'est tsunami, c'est... Hop. J'espère que... Au lycée, tu restes avec une note 5 minutes. Le lycée va dire, ils sortent ensemble jusqu'à ils vont inventer des vies. Ok. Miss Bang de touche. 2017. Sois prêt à 20h. À 20h, je me lave. Putain, ça marche pas ou quoi? Elle capte pas d'ici. Allez donc. C'est une rancisse. C'est tante Marie-Jeanne qui te dépose à l'école. En 4L. J'ai pas compris. Allez. Non, non, pas tous les uns, sachez que quand vous dites entre autres, on entend Anne trop trop. Ah oui, avec leur putain d'accent là. Quand vos mecs skinny se déshabillent. Ok. Ah, bah. Bon, nous on va peut-être se laisser là, les amis. Hein, si c'est le cas, bah, si vous avez aimé ça, moi je vous dis, n'hésitez C'était ma pas à liker la vidéo, à commenter, vous dire vos impressions dessus, à vous abonner à ma chaîne, à aller voir ma page Facebook, les chaînes de la team qui sont présentes dans la description. Ah, bien sûr, hein. Puis moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Farmer Gaming. Salut à tous!